Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur USC Counter Force. On se retrouve enfin pour continuer notre petite mission. Et on devait notamment sauver les fesses des civils qui s'étaient retrouvés pris dans leur usine, un petit peu dans la mouise, n'est-ce pas? Alors on va avancer ça, l'objectif est toujours de ramener des cadeaux. Normalement on devrait pouvoir ramener 3 fois 15 cadeaux puisqu'on a 3 missions, si j'ai bien compris le concept. Et j'ai un peu perdu du temps en tournant pas ces derniers jours, donc on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Alors, on avait vu que les civils étaient genre là, la zone d'extraction genre là, donc en gros, faut qu'on traverse tout. Et dès la sortie, c'était potentiellement le bordel. Alors, on va utiliser un ingé pour ouvrir. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si c'est une pièce ou pas. Non, ok, visiblement, ça a l'air d'être... d'être effectivement des pièces différentes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir potentiellement se déplier, protéger un peu. Voilà, ici on a direct ça, donc il va falloir faire gaffe aux balles perdues, notamment parce qu'il y a des explosifs là. Lui, si on le fait péter là où il est, ça désintègre tout, ce qui veut dire qu'il va falloir attendre qu'il vienne jusqu'à nous et qu'on arrive à le faire exploser dans une zone pas très loin, ça va être chaud. Peut-être le pousser par là. Il va falloir voir. Ok. Là, il y a un Shadow Envoy direct. Peut-être un autre derrière. On va avancer un peu, voir un peu ce qu'on voit. Ça, c'est un Worm. Ça, c'est un Alpha Worm. Donc, il explose potentiellement. Ce qui veut dire que j'ai pas forcément hyper envie de m'approcher. Il nous reste quelques grenades. Des mines ici. Une grenade là. Il nous reste... The Flame, on va lui filer le lance-flamme, l'idéal ce serait qu'il puisse cramer tout ça, mais malheureusement il va falloir qu'on se déploie avant ça. Alors déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est éliminer lui. Voilà, ce qu'il va faire de la... de l'explosion. Et que quand on fait exploser des alphas, c'est toujours intéressant. On voit toujours pas ce que c'est là par contre. Il y a lui qui nous cache malheureusement. On va profiter qu'il y a un petit trou ici. Ah putain, c'est un deuxième Shadow Envoy. Ok, il va falloir y aller au lance-flamme, genre violent. On va l'attaquer de dos lui. Voilà, on lui a mis 56 de saignement déjà. 58 de saignement, du debilitating. On va reculer. Alors est-ce que je recule là? Si je recule là, toi. Il te reste 22, tu viens ici. Ibo Medic, il avance jusque là. Démonique jusqu'ici, non, on va être coincé. Il faudrait que je fasse éventuellement sauter à Minou là. C'est pas Minou lui. C'est dans l'autre équipe à Minou. Que tu ailles jusqu'ici, que tu disperses dans cette direction là. Du coup, ça veut dire qu'on va se prendre. Alors, du coup, on va te replier, toi. Non, tu vas... on va pas te replier pour le moment. Donc, 45, oh, bah, on l'a repoussé, parfait. Du coup, tu viens là. T'as plus de munitions déjà, nickel. Du coup, on va venir jusqu'ici avec toi. Toi, tu viens là. C'est 19 points pour ça. Si tu sautes, il te restera 26. Tu disperses par là. Ah, c'est pas... ça a pas explosé. Tu recules. Toi, tu viens là. Ça n'a pas explosé, il va donc falloir qu'on l'aide un peu. Je pense que ça c'est plutôt pertinent. Voilà, comme ça non seulement on a ouvert la ligne de vue, mais en plus on s'est débarrassé des saloperies. Du coup toi, si tu recharges, il te restera 3, donc non, tu vas plutôt te baisser pour laisser les copains tirer.
Alors toi tu vas avancer d'une case et allumer la barre. C'est vraiment beaucoup de vie cette petite saloperie là. Donc il nous reste les tireurs. Alors est-ce qu'on peut se faufiler? On peut faufiler un full burst, alors en marchant dans les flammes, donc c'est pas forcément pertinent. Ce serait plutôt toi, toi tu pourras aller jusqu'ici, toi tu peux avancer, parfait. Toi viens là. On élimine ça, on vient là. Lui on lui tire dans le dos, donc il a zéro armure. Il fait le plus mal possible. Parfait, on passe en short. On va lui mettre une petite rafale de dos lui aussi, ça fait quand même déjà un petit peu de dégâts. Il y a un autre alpha ici mais on va pas pouvoir le gérer. J'aimerais bien pouvoir gérer lui déjà. Si je vais jusqu'ici, je peux faire quelques full bursts. Yes, sir. C'est pas si mal. Alors il faut, on espérera qu'il n'y aura rien pour ouvrir une porte ici, même si c'est improbable. Tango down. Parfait, on a déjà géré cela. On n'a plus de quoi faire quoi que ce soit de toute façon ici. Donc on va reculer. Et on va voir ce qui se passe. Ici il va falloir les fermer, s'occuper de l'alpha. Mais l'alpha normalement ils font surtout du saignement. C'est probablement lui qui va prendre. On n'a plus aucun point. Ok, bon bah déjà là c'est géré. Maintenant ici. Putain, encore un explosif. Lui il est pas explosif. Beaucoup d'armure. Normalement on a un bon perçage d'armure avec toi, mais peut-être plus avec toi. Ouais, encore plus avec toi. En plus on met le feu avec elle, c'est vrai. Voilà, on va économiser nos munitions. Alors lui on est obligé de l'ignorer lui, on peut rien y faire. Est-ce que tu peux aller jusque là toi? Oui, tu peux aller jusque là, mettre un petit coup de hache. Un deuxième petit coup de hache. Voilà, ça c'est fait. Maintenant lui, il est étanche. Il est étanche aux balles, aux flammes, donc il faut plutôt que qu'on l'allume avec ça. Voilà, parfait. On l'a one shot. Celui-là on l'a juste égratigné, mais c'est fait. Ok, très bien. Ça se passe mieux dans cette salle, là c'est fermé. Là potentiellement c'est ouvert, là potentiellement il y a quelque chose. Alors déjà tu vas ramasser le cadeau, ce sera fait. Non, ça a l'air d'être un mur. Alors il peut y avoir un alien planqué dans l'angle mort là, mais j'y crois pas. Donc le problème ça va être surtout celui-là. Si je me mettais là et que j'arrivais à le repousser, ce serait l'idéal. Peut-être avec toi. Parfait ça, on peut le détruire du coup. Alors on a plus ce qu'il faut en termes de balles de snipe. Mais on a des petits tirs comme ça, ça va être plus long mais ça va faire le taf. Voilà, parfait. Alors du coup l'objectif ça va être de progresser par là, parce que là c'est fermé et donc il risque de se précipiter dans cette salle où on est beaucoup moins on va dire prêt. Understood. Ah zut, je me suis coincé là, si toi tu peux aller là, parfait. J'aimerais bien que lui là ici. Pour couvrir, on va couvrir s'il y a quelqu'un qui décide de passer là. Et on va se préparer à probablement déverrouiller cette porte et avancer. Parce que là on sait pas, hein. Ça se trouve c'est une toute petite pièce, ça se trouve ça donne sur la même pièce, on sait pas.
Ok, premier tour, c'est fait. Il y a une de nos unités qui a encore des points. Qui toi t'as 4. 3, 3, 1, 2. Bah, personne n'a des points là. Attendez. 3, 1, 3, 1, 1, 2. Ah oui, il y a eux, c'est vrai, pardon. C'est eux qui restent. Oui, alors j'étais en train là d'essayer de faire une petite place. Alors j'avais envie de faire d'essayer de faire une barricade devant la porte parce que je pense qu'il va y avoir des enfoirés qui vont essayer de foutre la merde. Donc je vais essayer d'entasser des trucs devant la porte et si jamais ils essaient d'attaquer un mur, on va entasser des trucs devant les murs. Pendant que Suzy, je crois que c'était elle. Ouais, c'est elle qui est très forte, qui a une spécialisation primaire en électrotechnique. Elle va devoir aller pirater les trucs. On va commencer par cela, comme ça une fois qu'ils seront piratés, on pourra s'en servir comme caisse de 200 de force quand même par rapport aux petits 50 là. Ok, c'est parti. Voyons voir. Ok, ça essaie de passer là. Ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de quoi ouvrir les portes. Oh, j'avais pas vu, il est en train de brûler lui. Il a quand même explosé. Oh, faut qu'on s'arrache, ça va dévorer toutes les portes. Ok, il y a quand même un truc qui a ouvert ici. Qui se faufile. De l'explosif en plus, là aussi ça rentre. Attaque. Fire. Fire. Target hit. Joli ça, on le repousse dans l'angle de tir de Damned. Bon, si ça, ça pète, il faut qu'on recommence. Parce qu'on est mal. Il y a beaucoup de scorpions. Beaucoup, beaucoup de scorpions, j'aime pas ça. Ok, lui, ça y est, il bouge. Ouf. Il s'attaque à un lingé qui commence déjà à douiller. Engaging enemy. Parfait, il nous reste encore un petit peu d'ici de surveillance et un petit peu sur Aminou. Non, sur Fumé Medic. Oh la vache, on lui fait mal. Impressionnant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça perd à vouloir taper là. La mauvaise nouvelle, c'est que si ça, ça pète, toute cette équipe est disparaît. Genre instantanément quoi. Ok, ils ont survécu, il faut qu'on se casse. On va se précipiter ouvrir cette porte, je pense. On a des petites stacks de poison partout. Ils prennent cher. Alors, ok, ça brûle toujours là. Toi, tu fonces par là. Tu déverrouilles ça. Toi, t'ouvres. Sérieux. Ok. Pas de soucis, on se colle. Un mort. Deux morts. Une munition. Et lui il a explosé. En quel honneur? Pourquoi ça a explosé sérieusement? Bon, une pilule. Par contre on commence à être en dèche de soins. Hein. Ici. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus ces trucs? Non. On peut pas sauter par-dessus ces trucs, ok, très bien. Donc du coup, là, on va aller découper lui de dos, c'est là qu'il a le moins d'armure. Et toi, tu vas aller te préparer à aller fermer ça, tant qu'à faire, pendant que t'es là. Par contre, eux, il faut qu'on les allume de loin. Ce qui veut dire qu'on va devoir reculer. Donc toi tu viens là, tu vas mettre un petit coup de soin ici, toi tu recules. Toi du coup, tu te mets ici, normalement c'est safe. Target hit. Engaging enemy. Fire. Attack. Engaging enemy. Ok,
plus de munitions. Ok, ça c'est fait, parfait. Du coup, on pourra peut-être envoyer quelqu'un d'autre ici. Toi, du coup, t'as plus rien. Donc celui-là, il était explosif, je ne sais pas comment. C'est pas cool. Aminou. Engaging enemy. 300 de dégâts, vache. Il est encore en vie, enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ok, ici il y a du loot, probablement encore du monde. Et on va lui allumer les fesses. Un peu plus de dégâts si possible. Non, c'est pas possible. Bon, très bien. Du coup, t'as qu'à te pousser. Attends, t'as plus de points quoi. Je suis pas sûr qu'elle est suffisamment éloignée de la zone Kringos, mais bon. Ok, ça c'est fait. Ici, on finit celui-là. On va juste faire un tour par là pour être sûr qu'il n'y a rien. Il y a rien. Toi, tu vas tout là-bas. On se tire de cette salle. Holding position. Reste combien? 18, vas-y. Hop, tu baisses en mode défense. Et on va mettre toi derrière en défense. Bon, ok. Alors attention parce que ça, quand ça va péter, toutes les portes verrouillées électroniquement vont s'ouvrir aussi. Ça peut foutre un peu la merde. Ouais, toi t'es juste toi. En termes de stack de poison, on est comment? 6, 4. T'as plus d'AP de toute façon, donc tu risques pas de faire quelque chose, pas de soucis. Ici, on va se mettre en pansement. On va mettre un pansement au bleu. Toi, tu vas te mettre en mode défense en bas là, des fois qu'il y a des trucs qui se pointent. Roger that. Toi, tu viens là. Tu verrouilles ça direct. Alors ça coûte cher hein, 30 points, mais au moins c'est fait. Là on peut pas faire grand chose d'autre qu'aller là, mais on peut peut-être mettre quelqu'un qui a plus de points. Plutôt toi. Holding position. Oh, t'as plus de munitions, merde. Ok, défense. Yes, sir. On charge, on protège avec ce qu'on peut. D'ailleurs non, est-ce que tu pourrais pas plutôt mettre un petit bandage à ta copine? Voilà. C'est mieux. Ensuite toi. Roger that. Il te reste plein de points, tu vas par là. Tu vas reload probablement. Ouais. Hop. Toi du coup tu peux remonter. Et toi, commencer à progresser un peu. Ok, c'est pas si mal. Là, il y a moyen qu'on arrive assez vite sur eux. Au final, ça a l'air relativement petit comme zone, hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître. On est là pour ramasser des cadeaux, donc on va quand même progresser par là-bas. Alors oui, on a plein d'unités qui ont encore plein de points. Est-ce que je vais équiper ça? Non, j'ai pas envie d'équiper ça. Je vais garder le lance-flammes. Et il y a eux, oui, il y a eux, pardon. Il faut que je les joue, ceux-là. Alors toi, tu viens là. On a que 50%, parfait. Et là c'est raté. Toi tu fais de la place pour aller essayer de hacker ce truc là. T'as que 25% mais en même temps t'as un autre à foutre, donc go. Toi est-ce que tu peux pousse ce truc et repasser là. Ouais, parfait. On va préparer éventuellement une barricade, même si pour l'instant on va pas plus loin. Beaucoup de soins, des petits cadeaux. Parfait. Alors, les points chauds c'est là et là du coup. Et ici, si ça pète et que ça tue notre médic, on a l'air con. Normalement je pense qu'on est suffisamment loin. Et il va falloir un peu de tour pour péter quand même. Il va peut-être s'éteindre même avant. S'ouvre.
D'ailleurs, si ça pète, ça va déverrouiller ça, hein, ce qui est pas forcément très très bon. Bon, on n'est pas très loin. Hein. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Avec lui, on claquera un petit scanner vu qu'il est à peu près centré. Ah, ça s'ouvre là. Ok. On a pu lui mettre un petit snipe. Quatre et un saignement, 4 ici, ouais. Le problème c'est qu'on a plein de petits poisons. Ouh, il a 10 lui, ok, faut qu'on lui enlève par contre. Alors, on a dit un petit scan. Qu'est-ce qu'on voit? Un gros derrière, mais c'est tout au final, hein. Pas mal, pas mal. C'est plutôt bon signe. En fait, faut que je fasse gaffe, il y a des endroits où il y a des hydrazine pools. Je pense que c'est pour ça que ça pète. Là, il devait y en avoir une. Et c'est pour ça que ça a pété. Alors, toi, hack-moi ça. Allez, 50% de chance, ça peut passer quand même. Pareil, 25% de chance, ça peut passer normalement à un moment. Tant pis. Ok, ici. Il faut qu'on aille chercher le loot. Il faut aussi qu'on élimine cette salope. Et on a pas mal de perçage d'armure avec le snipe, donc on va s'en occuper. Ensuite on va envoyer Amino jusqu'ici, voir ce qu'on voit. Attends, c'est un Shadow Envoy. Par contre il peut pas ouvrir les portes lui. Donc éventuellement on pourrait envisager de fermer la porte. Ici il n'y a rien. Ok, c'est des trucs secondaires qu'on a ici, parfait. Bah, comme ça, ça nous fait plein de points. Toi t'avances un peu pour laisser de la place. Ici on va ouvrir, on n'a rien vu du coup. Ah, il y a un truc à fermer là. Ok. Relève-toi. Si tu vas ici, t'auras plus que 28. Merde. Ouais, changer de direction, tu vas te mettre là. Te recoucher, te remettre en. Ouais, quoi, vas-y, ouvre. Il y a du loot. Ah, il y a un petit scorpion. Plein de portes fermées. Ok, donc toi par contre, tu vas ici. Close ça, toi tu vas ramasser ce truc là au cas où le scorpion fout la merde. Non, c'est de la charge d'énergie, ça nous intéresse pas. Et en fait on dirait qu'ils sont bien protégés eux hein. Il y a ce truc là à verrouiller, il faut ouvrir avec un point d'accès. On peut pas, donc on peut pas le pirater. Ouais, on va dépenser 30 points là, donc on a plus ce qu'il faut pour protéger. On va reload du coup. Alors là, est-ce qu'on a assez pour s'occuper de lui? C'est possible, hein, si je viens dans là. Tu peux commencer à l'endommager au moins. Ah, elle est là, démonique. Mais Bullet L. Il a des balles enflammées lui hein. Il avance un peu. Oh oui c'est bon ça. Ok, on a tout claqué, on a plus de points, mais au moins on est bien. On va pouvoir mettre deux personnes en protection. Peut-être une parce qu'il y a là qui coince. Viens jusque là. Il y a un crawler donc il peut ouvrir la porte hein, donc c'est pas la peine de s'embêter avec ça. On va se mettre ici. Hop. En défense. Reload. Défense. Ensuite on va prendre le bleu. Parce que Phil Medic, on peut pas se permettre de tanker encore, Phil Medic c'est bon. Roger that. Tu viens là,
l'instant tu défends, je pense pas qu'on puisse amener quelqu'un d'autre. Ah, quoique, on pourrait amener ici Daimonic Shobiti. C'est-à-dire que toi, tu t'accroupis puis tu défends. Toi, tu défends. Ok, ça devrait être pas mal. Ici, on va commencer à aller par là-bas. Donc à faire, on va équiper ça. Ah, tu peux tirer là sur ce truc là-bas? Non. On va se mettre à cette distance-là. Alors c'est pas la défense la plus ouf, hein, clairement, avec lui, mais bon. Alors toi il te reste quoi pour soigner? Que dalle, hein. Par contre, il y en avait un qui avait 10 stacks là, ouais. Ah, ça c'est de l'Hydrazine Pool. Il y en a un peu partout de l'Hydrazine Pool. Faut faire gaffe. Mine de rien. Toi, tu vas là. Et tu vas filer tes bandages. Là, je sais pas pourquoi t'as des bandages, mais file-les à elle. Ah mince, non, putain, c'est pas ce que je vais faire. Tu lui passes. Et comme ça, elle est capable de te soigner un peu plus efficacement. Affirmative. Copy that. Toi, tu vas là, tu reload, et puis tu vas couvrir un peu ce que tu peux dans cette direction, on sait jamais. Alors, il reste toi. Bah, pour l'instant, tu peux rien faire. Ici, on les a joués. Toi, t'as pas joué, mais en même temps, tu peux rien faire de très utile pour le moment. Une fois qu'on les aura atteints et qu'on pourra utiliser leurs soins, je dis pas. Mais pour le moment, on va pas faire grand chose. Enfin si, après ce que tu peux faire, c'est rapprocher les tours, mais si je t'y pousse celle-là... Oh non, ça sert à rien, je vais être coincé, il faut que je fasse des allers-retours. T'as qu'à défendre. C'est parti. Pour l'instant, on avoine pas mal, mine de rien. On sent, hein, que quand on commence à avoir de l'expérience ou des munitions améliorées, etc., ça gère mieux parce qu'on a quand même on s'est quand même débarrassé de deux Shadow Envoy ici. D'entrée de jeu. Attack. Target hit. Oh putain. Ouf, heureusement il avance lui. Lui, il fait une énorme explosion quand il meurt, donc faut surtout pas qu'on le tue en surveillant ce genre là. Ah zut, elle est en full burst elle, dommage. Oh merde. Ça c'est pas cool qu'il ait réussi à se faufiler. J'aurais peut-être dû pousser là pour être plus tranquille. Aïe. Enfoiré. Putain, il nous a mis 6 stacks de poison comme ça, quoi. Bon, là, faut qu'on bute celui-là. Ça devrait déjà nettoyer un peu ses copains. Alors les balles enflammées vont pas lui faire grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, ça nous évite d'utiliser de l'hydrazine. Ici on se relève, on va là, on passe en full burst, on élimine ce coup. Il relève ses bébés. Un peu de munitions, un dernier tir là pour faire le à place. Voilà. Toi. But celui-là. Après, tu viens là. Et on va envoyer un mec au corps à corps pour terminer ça. Il y a un petit worm là. Ouais, terminé, il résiste un cet enfoiré. Est-ce que toi tu pourrais pas avancer là? Refaire un petit scan. Ok, là il y a un gros, enfin un gros, un skitter qui fait des petits, là il y a un alpha, là il y a plein de monde probablement derrière cette porte.
Ce qui veut dire que tu vas ici et que tu nous la verrouilles pour le moment. Fire. Après, élimine ça. Voilà, on est bien. Bon, sur ce flanc, on a du taf. Ici, il y a moins de boulot. Le problème, c'est d'éliminer celui-là. Parce que juste, on est coincé à mort là. Il n'y a pas d'autre mot. Je peux pousser cette caisse. Je peux condamner le truc en tirant cette caisse. Alors, ce que je vais faire, du coup, déjà, je vais me relever. Je vais pousser là. Je vais regarder ce qu'il y a là. Searching. Un truc comme ça, très bien. Oh, un. Un chimera, un armor repair kit, on a plus de place. Vas-y toi viens. Prends les cadeaux. Searching. Moral stimulant, ouais, pas très utile, mais le armor repair kit peut être utile. Ensuite on va reculer. L'idéal, ce serait de l'attirer dans cette salle, en fait, le machin là. Donc tu vas revenir jusqu'ici, toi, hop. Et on va se préparer à l'accueillir. Holding position. Triple fire tant qu'à faire avec les balles acides. On va essayer de le tuer avant qu'il nous atteigne, sinon bah on cramera un peu. On va t'envoyer toi peut-être même pour aider. Alors toi du coup, vas-y, sors de ta défense, accroupis-toi, remets-toi en défense. De toute façon il va nous falloir un mec pour hacker dans le coin. D'accord que t'as pas d'angle là. Reload. Défense. Là s'il avance là, on devrait lui mettre déjà 3 patates, s'il avance d'une case, re 3 patates. S'il est pas mort, bah il sera pas mort. Et on l'aura dans l'os. Ok, next. Ici on est coincé par les Shadow Flames. Et on a du bon potentiel de défense quand même. Par contre faut qu'on reload parce qu'on a déjà plus de munitions ici. Toi t'as fait tout ce que tu pouvais, toi t'es full munitions. Ouais, du coup là je suis obligé de faire le grand tour parce qu'il y a lui qui gêne, je peux pas le décaler. Est-ce que t'as une armure filmélique? Non, y'a personne qui a d'armure là en frontal, c'est dommage ça. Toi tu vas te mettre en défense là où t'es. Holding position. Vu qu'il te reste peu de points. T'attends quand même plus de PV toi hein. Understood. Okay, on va faire ça, tu vas te mettre là. Tu t'accroupis. Tu holding défends position. Toi tu viens derrière. Reload, défense. Aminou, il va reprendre son lance-flamme. Understood. Et se rapprocher pour se préparer à éventuellement à faire des méchants trucs. Et c'était toi qui avais pris plein de stacks, donc du coup toi tu viens. Understood. Là. Tu mets une petite picouse. Tu reload et tu te prépares. Ici. 25% de chance, ça passe toujours pas. Ici. 50%, double fail, allez. Ok, parfait. On va y arriver à tout récupérer ici, hein, ça va nous prendre du temps, mais bon, vu que c'est plutôt calme, il n'y a pas de problème. Donc sur cette équipe, on a tout fait. Sur cette équipe, il reste Aminou qui a plein de points, mais pour l'instant, on peut rien en faire. Donc, non, pardon, tu restes en défense, et là, on est parti. On voit plus mais il va bien avancer un moment. Il est parti l'autre là. Je sais pas où il est parti mais il est parti.
Ok. Allez. Voilà, parfait. Ça c'est nickel, ok, on va pouvoir avancer de l'autre seul. Ça cogne un peu là. Ah non, tu rates pas ça, sérieux. Voilà, merci. Ouf, ça c'est un qui régénère. Et il contourne les zones de défense, c'est ouf hein. C'est vraiment bien joué hein. Bon, ça leur consomme des points d'action aussi mais... Ok, finalement le réacteur a réussi à ne pas exploser. Parfait. Alors toi tu vas te relever. Tu vas aller ici. Occupe-toi de cette petite saloperie parce que ça avec l'armure qu'il a, il nous faudrait autre chose pour le passer. Toi pareil, relève-toi. Viens là, allume-moi ça. Il est en flamme donc il se régénère donc il nous faut des flammes pour le gérer. Ok, deux belles saloperies là, plein d'hydrazine par contre, ça c'est cool. Là c'est verrouillé, là c'est ouvert et visiblement le shadow devait venir de là. Lui, on va le buter à coup de full burst. Pareil pour ces petits. Il y a plein de cadeaux à récupérer, plein d'armes de Noël. Fantastique, ça va être un travail pour le bleu. Alors ici. Parfait, je peux pas mettre d'autres tirs, je peux mettre un scatter. Ah il y a un autre. Il y a un Reaper derrière. Bon, le scatter il tire dans le tas mais il fait le taf quand même. Hein. Surtout au niveau des flammes. Est-ce qu'on voit combien il a pris de flammes? 29. Non, 29 dommages, 149 fire build up, c'est pas mal. Ok, là on avance, il faut qu'on se débarrasse de cette merde, voilà. On ramasse l'hydrazine. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Amino, tu vas t'occuper de ramasser les trucs parce que pour le moment... Tes points d'action servent à ça. Searching. Searching. Parfait, plein de cadeaux. Understood. Jeter un oeil là, c'est un cul-de-sac, nickel. Searching. Donc il n'y a que cet endroit qui est risqué. Sachant que toi du coup tu ne peux pas bouger. Toi tu pourrais venir jusque là mais tu serais, pourrais plus te mettre en défense. Donc c'est pas hyper utile. Toi pareil. Donc on va vous faire avancer plutôt derrière. Affirmative. Alors un petit ingé ici. Profiter que lui est de dos, ok on le rate. On va repousser je ne sais pas où. On va buter celui-là et après. Ah il nous reste une balle, bah mets-toi en défense avec ta dernière balle. Understood. Et avec les deux autres, on va se mettre devant. Ok on le revoit, on s'accroupit. On défend. Et avec toi, pareil, tu viens là. Alors peut-être même pas la peine de s'accroupir d'ailleurs. Tu te mets en short burst. Tu défends ici avec ce qui nous reste. Tu défends également. Bon, il y a moyen qu'on arrive à le nettoyer un peu quand même. Et au cas où il décide de se faufiler par là, tu vas défendre là toi aussi. Parfait. Maintenant ici, qu'est-ce qui nous reste comme espace? On est plutôt plein avec l'équipe là. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut utiliser? Ça c'est pour réparer des objets, pas très utile. Toi par contre tu peux réparer l'armure.
33, 28 sur 33, 16 sur 20, 22 sur 25. Nos armures ont pas trop pris, ça va. C'est plutôt plaisant. Du coup, tu peux venir là. Donner ça à lui. Donner ça à lui. Non, à lui. Non, par contre, je crois qu'il y a un propriétaire data. Il y en a un autre qu'on a un, non? Ah non, j'ai mal vu. De toute façon, là, si on veut progresser, il faut que on touche ce truc, qu'on le repouche. Voilà, là au moins on peut passer. Là-dedans, il y a quoi? Ah, je me suis couru. Ça. Des petites pilules pour se soigner un peu. Oh, 3 first aid kits, ça c'est bon. Des pansements aussi. T'as plus de points? Bah oui, puisque j'étais accroupi comme un con. Je vais vérifier du coup, mais il me semble. Toi, tu peux pas hacker ça. Ah si, ça coûte juste plus cher. C'est bon ça. Ok, on va pouvoir aller chercher les Eric 3 rigolos. Coucou les gars. Pendant ce temps là, vous continuez d'essayer de hacker ces trucs. Même si y a notre vrai hacker qui arrive, c'est toujours ça de prix. Ok, c'est cool. Ça c'est bon ça. Alors, ici on a 4 stacks de poison, la 0, la 5 et on est un peu endommagé, donc Sunny, viens là. Mets donc une picouse. Un petit 74 de soins, ça fera pas de mal. En termes de skill, j'imagine que... Ah t'as quand même 3 de marksmanship, si on trouve un flingue, ça peut être utile. Pour le moment. Alors ces caisses, c'est des grandes caisses en fait. On peut pas se faufiler et on peut pas tirer par dessus. Ouais, c'est ça. Bon, tout est protégé de toute façon. Enfin, les portes sont fermées. On recule. Arrête-toi. On peut peut-être reculer avant avec toi. Non, pas vraiment. Donc vas-y, recule, prof. Plein. Et donc il reste toi. Personne d'autre a des cadeaux aussi. Je crois qu'il y en a qu'on va ramasser des cadeaux. Toi t'as un cadeau comme ça, mais ça va pas du tout avec ça. Et c'est qui? C'est pas Sunny? Ah non. Non, ok, on a vraiment des cadeaux de 3 types différents, pas de chance. Sur ce front là. Bon, ce front là est complètement sécurisé avec les portes fermées à clé. On claquera un scan et s'il n'y a rien on ira voir, mais pour le moment c'est pas forcément une priorité. Roger that. Holding position. Ok, alors ici maintenant. Normalement tout était prêt, il reste toi. Je vais prendre une défense position. Au cas où il y a un truc de zone qui arrive, mais ça devrait le faire. Ah, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ah, un hunter. Donc le hunter, il cible quelqu'un et il essaie d'aller jusqu'à sa cible. Il nous reste encore quelques zones de défense, c'est plutôt cool. Ok, il y a un autre Shepherd ici. Bon, visiblement il y a du monde derrière. C'est pas avec nos petits scientifiques qu'on va pouvoir les nettoyer. Et étant dit, ici c'est la sortie hein, donc on a peut-être envie de passer d'abord par en haut, fouiller le reste. La porte va pas tenir longtemps ici. Ouf, un Alpha Reaper. Ok, bon, on va peut-être se replier là du coup.
On a plus du tout de zone de surveillance pour celui-là. Heureusement, il est obligé de cramer plein de points pour aller voir ses copains. Il attaque quand même, une fois. Bon, ça va. Ok. Alors, la question qui se pose, c'est si toi, tu te replies là, t'auras assez pour fermer la porte. Et la verrouiller. Donc vas-y, replie-toi. On va aller s'occuper de fouiller de l'autre côté plutôt. Yes, sir. On se replie tous, on va abandonner cette salle pour le moment. Yes, sir. On va aller s'occuper de l'autre côté. Il reste des petits bandages là, vas-y, soigne-la. À la limite, lui on le mettra à la fin. Affirmative. Alors je pourrais mettre hein, quelques petits tirs avant de partir. Genre là il me reste 18, je sais que je peux mettre un petit tir. On va le faire, il y a toujours des dégâts. Il me reste un tir possible. Hop. Voilà. C'est pas si, si débile au final. Toi par contre on a dit que tu allais à la fin, donc c'est à dire que toi du coup faut que tu ailles au moins jusqu'ici. Tu peux aller là. Au moins jusqu'ici. Six et il faut 12, non c'est bon, tu te barres. Yes sir. Vas-y toi, replie-toi là. Affirmative. Profites-en pour filer l'hydrazine là. Tu fermes la porte. Et toi, tu la verrouilles. Parce que tout ça là, normalement, c'est des trucs qui peuvent ouvrir les portes. Hein. Quoique, non, pas celui-là. Celui-là, il peut ouvrir les portes. 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 Celui-là, étrangement. Non, c'est marqué que c'est un Reaper with Powerful. Donc ça veut dire que, comme les Reapers de base, il doit pouvoir ouvrir les portes. Mais c'est fermé. Ce qui est plutôt cool. Donc ici, il faut qu'on fasse un peu de place. Relève-toi. Tant qu'à faire. On a trouvé un primotron chimère. Donc ça, c'est un objet qu'on peut débloquer. Qui sert du coup à hacker. 25 points. Alors, on n'a pas besoin d'être efficace en électrotechnique, mais ça augmente nos chances de succès. Donc sur des portes fermées, on peut les verrouiller ou les déverrouiller, classique, se connecter, downloader les datas sur les databanks. Ça donne 100% de chance. Ah mais surtout ce truc là on peut hacker à 10 de distance, c'est pour ça que c'est aussi fort. Et on peut bypass les hardwired secure position. Alors c'est pour ça je pense que lui, il a pu hacker, ouais c'est parce que du coup, cette porte là, qui était verrouillée par console, vu qu'il est en primary specialization sur Electrotechnics, il peut hacker les systèmes protégés sans être obligé d'utiliser la console. Et alors il a un petit truc de hack de base hein, qui donne 50% de chance de hack, mais vu qu'il a beaucoup de points, ou en haut, hein, plus 125%, ça fait qu'il est quand même assez efficace. Après avec un primotron, il pourrait hacker à 10 de distance, ce qui est pas dégueu non plus. On est d'accord, au niveau des loot, s'il y avait ça qu'on voulait prendre, mais on n'a plus de place. Pour être Sony qui le prend. Ouais, Sony il a une place là. Dans tous les cas, on a dit qu'ici on claquait un petit scan pour voir ce qu'on a. Ok, ici on a un gros, et il y a quand même beaucoup de monde derrière, donc on va pas ouvrir les portes tant qu'on n'est pas en force. Understood. Ce qui veut dire qu'on a tout le temps de se placer. On va verrouiller là. Là on peut pas y aller. Si on peut y aller. Et si je push ça. Je peux toujours y aller, ouais, forcément. Bon après si c'est verrouillé, on s'en fout, on va se dire qu'on passe par en haut. Vas-y, viens là. Recharge. Défends. Toi, tu t'accroupis.
Sunny, tu viens là. Tu prends ça. Tu files le cadeau. Tu vas chercher les pansements. Searching. Et tu restes loin derrière pour le moment. Toi. En attendant, faute d'avoir mis, on va te mettre là en défense. Holding position. Toi, tu vas venir. Ah, tu peux pas passer. Il y a prof devant. Donc, prof. Toi, t'as beaucoup d'électrotechnique. Donc, tu vas aller prendre le primotron. Hop. Allez, on peut vraiment. On voit tous les trucs à scanner. Et on peut fermer les portes à distance et tout. Ah, oh, c'est trop fort. C'est excellent. Bon, ça coûte 12, ce qui est pas tant. Hein. Franchement, c'est pas tant. Et ça veut dire qu'on peut vraiment genre verrouiller la porte là. Ah oui, c'est bon ça. On peut vraiment foutre la merde dans les aliens à distance quoi. Et ben un objet qui sera assez fun à débloquer, je pense. En attendant, recule. Toi, tu vas aller te mettre là. Au cas où il pète la porte, mais de toute façon, ça m'étonnerait. Ici, du coup, on avait tout verrouillé. On est d'accord que les small metal crates, on peut pas les ouvrir. Hein. Non, y a rien dedans. C'est pas des trucs à loot. No problem. Par contre, on a récupéré tellement de trucs, on va pouvoir faire des bonus de score de fou, quoi. Ici on progresse. On va utiliser nos derniers points pour aller le plus loin possible. On les a pas utilisés. Oh merde. Bon, c'est pas très grave. Y a ce truc là de fond quoi. Roger that. Roger that. Toi, t'as plus de points, Aminou. Yes sir. Avance. Toi pareil. Yes sir. Fait pas la peine de faire le tour débilement. Et toi il te reste 16 points. Bah, écoute, viens par là. Mets-toi en défense par ici. Histoire de lire. Voilà, c'est parti. Hop. On entend des petits bruits de limaces. Alors c'est clair qu'à la base je voyais pas trop l'intérêt du primotron. Voir hacker à distance, mais rien que le fait de voir les portes qu'on peut hacker, de voir les structures, c'est super fort. Hein. Bon là il y a une petite merde qui tape pas très fort, qui est probablement bloquée derrière d'autres petites, les gros doivent être bloqués derrière d'autres trucs. Ici on sait qu'il y a un alpha, mais s'il a pas démolisher, il peut pas taper sur les murs, hein, donc. Là ça s'excite sur les murs justement. Oula, ça vibre. Là il y a un gros derrière là. Ok, donc eux ils sont arrivés là, ils commencent à s'énerver. Parfait. Donc là ça veut dire que toi t'es capable d'ouvrir cette porte du coup. Ce qui est quand même très très fort. Ok, salut tout le monde. Alors là, il y a deux trucs à faire exploser. Engaging enemy. Ouais, c'est pas forcément hyper pertinent. Target hit. On a commencé, on va finir, mais. Pousse-toi. Voilà, laisse les pros faire, on va dire. Voilà, c'est mieux. Par contre, lui. Niveau angle, c'est un petit peu de la merde. Si je me mets ici avec toi, je peux le voir ou pas? Yes. Voilà, comme ça on a bien foutu le feu à tous ses copains. Il me semblait qu'il y avait un alpha dans le coin, qu'on voit pas. Ok, là il y a un Reaper, il y a un Shepherd, un Crawler. Celui-là. Il faut combien pour te replier? Ouais, ça va. Target hit. Non, ça suffit pas. Recule. Baisse-toi. Bon, ce qu'on va faire limite, hein, c'est qu'on va rester devant.
On sait qu'on est capable de verrouiller la porte pour pas cher, entre guillemets. Donc on peut avec lui à distance. Bon, je suis pas cher parce que c'est pas quelqu'un qui fait de l'action. Donc on est totalement capable de se pointer, d'ouvrir la porte, de la refermer. C'est hyper bien. On va éliminer celui-là. Voilà. Après on recule. Toi, tiens ici. Il nous faut quand même assez de points pour fermer la porte. Tire là-dessus. Tire là-dessus. Encore un. Encore un. Lui, il est hors angle. Si je vais jusqu'ici, j'aurai 16. Je pourrais faire un petit tir. Hop, un ennemi de moins. Tu reviens là. Tu nous fermes cette porte. Et toi, tu la reverrouilles. Parfait. Ça, c'est classe. Franchement, c'est quand même super sympa. Par contre, en termes d'objets. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ici, il a tous ses trucs. Toi, t'es le soigneur. Oui, ici, c'est les grenades que je voulais éventuellement donner. Non, on a des emplacements pleins pour tout le monde là, donc ça va être les prochains qui vont prendre ça. Genre, toi, tu viens là. Toc, tu vas donner ta grenade ici. Et prof va te filer les incendiaires, voilà. Ensuite l'appareil, toi tu vas donner ta grenade au field medic qui va venir s'entasser un peu, on pourra faire la même chose par cette porte limite. Hop, reload. Et tu vas venir ici, que le prof te file des grenades cryo. Understood. Allez, en avant. No problem. On va progresser dans cette pièce. Il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup de choses à faire encore. Presque envie de les découper quand même en deux escouades, une qui part par là, une qui part de l'autre côté. Là on a laissé quoi? L'ingé, Aminou, ouais on va peut-être quand même faire ça. On va envoyer Sunny là-bas en tant que soigneur. Et probablement qu'on va rapatrier du coup du monde. Alors je le fais se balader un peu, excusez-moi, c'est comme ça. Là on a un jetique donc on garde un jetfil, il nous faudrait toi vu que t'as récupéré tes grenades incendiaires. T'es coincé, ah oui t'es coincé par le bleu. Reviens par là, on va prendre ces deux là, il nous faudrait aussi peut-être un comme ça. Voilà, là on sera 6 plus un soigneur bonus. Et on va être pas mal. On va être vraiment pas mal. Ça fait des bruits de petits verres. Ah, ça se tape sur la pente qui commence à plier, mais encore du potentiel. Il a tué ses potes là. Ok, alors là ce qu'on faudrait qu'on fasse limite c'est qu'on se prépare à cramer tout ça. Zut, je suis coincé par lui. Donc toi avance. Toi voilà, viens là c'est mieux. On déverrouille. On ouvre. Donc il y a plein de monde comme prévu.
on disperse. Ça pète pas parce que y a pas de raison que ça pète. Et on fait péter. Voilà, parfait. Tu peux te replier là? Non. Propre, ça c'est un mec qui fait des dégâts de zone, donc préfère qu'il nous embête pas trop. Tu peux reculer. Ouais, tu peux reculer comme ça toi. Tu vas pull cette caisse et tu vas aller fermer la porte au cas où quelqu'un arrive, s'il y a des flammes et tout, au moins qu'un truc puisse pas se mettre là et nous tirer dessus à distance. Toi, mets-toi par là. En termes de soins, ici on a 4 petites stacks, ici on a 4 petites stacks, mais on est pas mal. On envoie le bleu. Toi tank. Non, avant. Donne l'hydrazine à Aminou. Ah non, il est plein. Ok. Il va falloir qu'il reload. Ah bah attends, il se reste quelques points. Tu peux donner à... Non, ça coûte 2 de dropper, mais de passer ça coûte 3, c'est trop cher. Ok, pas de soucis. Viens à toi. Reload pour être prêt. Holding position. Non mais non, pas une load. Holding position. Tant en défense même si ça sert à rien. Understood. On envoie Ibu Medic ici aussi pour avoir un peu plus de fusils d'assaut et de grenades. Alors, prof, vas-y, déverrouille-nous cette porte. Ouvre-la. Ok, globalement ça va, c'est de la petite merde. Enemy down. La petite merde qui reste comme prévu. Est-ce qu'on peut du coup rentrer dans la pièce? Là il y a du monde. On devrait pouvoir gérer avec tout ce qu'on a. On va aller dans son dos, lui. Engaging enemy. Voilà, le petit coup de hache dans le dos. Kill confirmed. Et on le termine. I can't do that. Parfait, on va se pousser. Donc il faut se répandre dans la pièce. Yes, toi, tu vas t'occuper de full burst les fesses de celui-là. De dos là, ça devrait pas lui faire plaisir. Attack. Voilà, parfait. Ensuite, toi, viens yes, là. Sir. Pareil, allume-moi ça de dos. Attack. Et B, compliqué. C'était un gros celui-là, il avait beaucoup de PV on dirait. Toi tu peux venir là. Après tu vas récupérer ton lance-flamme pour te préparer pour la suite et te pousser. De toute façon là, il y a plein de trucs radioactifs à la con. Reste combien de points? 28. Tu peux lancer un petit scan. Hein. Ok, il y en a un là. Il y en a un ici qui veut pas arriver soit par là, soit par là. Donc on va verrouiller ici. On va se dire qu'il va plutôt arriver par là. Reload, défense. Toi pareil, défense par là-bas. Toi tu peux rien faire de plus, toi tu peux rien faire de plus. Le fil médic. On peut venir par là. Descendre par là, alors non. Short burst s'il te plaît. Un peu plus de distance, voilà. Toi tu viens ici. On va te mettre en défense même si ça sert pas à grand chose. Toi tu viens là. Et avec ton Crémotron, tu vas nous verrouiller ça. Comme ça on est sûr qu'il n'y a rien qui va nous faire le tour. Après on pourra toujours ouvrir si on veut. Copy that. Et t'avances par là. Ok, c'est pas mal. Donc ici, on attend. Alors on va faire un petit tour de ceux qui ont des points. Est-ce qu'on n'a pas des petits reloads à mettre?
toi mon cher, ma chère plutôt. T'es full, toi, t'es full. Et dans l'autre équipe, on était bon. Ok, c'est parti. J'ai pas regardé, faut que je regarde si on a un... Ça se trouve on a un tour, un nombre de tours limite. Alors là techniquement, on pourrait balancer une petite grenade cryo si on veut se débarrasser des flammes rapidement. Ça pourrait être une idée. Ah l'enfoiré qui est juste dans l'angle mort quoi. Putain. Ça c'est pas cool. Ça pouvait être n'importe quelle créature, mais non, faut que ça soit le machin qui fait les attaques de zone. Bon, bah va falloir qu'on mette du pansement là. Alors, qui a ce qu'il faut ici? Toi non. Toi t'as du méga kit. Et c'est tout. Toi t'as quelques pansements. Bah du coup viens là. Cale un pansement là-dessus. Un pansement là-dessus. Viens là. Un pansement là-dessus. Un pansement. Ah non merde. Je vais passer. Putain. Des fois, le clic droit et le clic gauche, c'est pas toujours évident, hein. Viens là. Ah non, là c'est un cul-de-sac, ok, intéressant. Vas-y, pète les fesses. Nickel, donc ça c'est un cul-de-sac. Là on a des cadeaux à ramasser. Qui ramasse les cadeaux? Pour le moment c'est plutôt toi et toi, ok. Alors prof, ouvre-nous cette porte du coup. Là y'a rien, et là c'est ouvert, ok très bien. No problem. On va aller déjà jeter un oeil, oh coucou toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça ressemble à un cul-de-sac effectivement, donc il n'y a que ça, mais quelques cadeaux quand même. Vu que t'es là, tu vas prendre le cadeau. On va avancer d'une case ici pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre, ok. Vas-y, replie-toi là. Et toi, reverrouille-nous cette porte. Lui, on s'en fout, pas la peine d'utiliser des munitions pour ça. Très bien. Oh putain, on a trop de... On va enlever un peu les saignements parce que là c'est pareil, niveau PV on est juste quoi. Au final, j'aurais peut-être dû garder l'autre soigneur parce que Phil Medic elle a plus grand chose pour soigner. Affirmative. Par contre elle peut ouvrir les trucs pour pas cher, donc on va regarder ce qu'on a là. Searching. Encore un truc secondaire, très bien. Ok, bon bah cette zone là du coup y a rien, on va pouvoir se casser. J'ai bien... Alors non, j'ai pas ramassé les cadeaux, donc toi du coup, va prendre ce cadeau là qui est un cadeau pour toi. Searching. Hop, t'en profites pour prendre ça, ça coûte pas cher de le prendre. Et toi, tu passes ici, tu ramasses ce cadeau. Et après, on rejoint les copains. Yes, sir. Alors, c'est parti. Roger that. L'autre saloperie là, elle va pas nous embêter longtemps. Understood. On se replie, on va être coincé dans le petit angle là, mais normalement on n'empêche pas les gens de passer. Toi par contre tu vas empêcher les gens de passer, donc pas tout de suite. Toi tu vas jusqu'où? Bah toi tu vas pas très loin, donc vas-y. Toi c'est pareil, tu dois pas aller très loin. Understood. Ok. Vas-y, avance. Et
donc il reste toi qui n'a plus de points. Parfait. Alors du coup il va falloir qu'on s'occupe de ce côté-là, mais avant, on va arrêter l'épisode. Il a suffisamment duré, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à passer voir, à dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.